Je vais t'apprendre à écrire sans erreur la fin des participes passés. Les participes passés finissent très souvent par le son « et » ou le son « u ». Et ils ne se terminent jamais par une lettre muette. Par exemple, « j'ai mangé » et « j'ai bu » Les autres participes passés se finissent avec le son « i », mais ils peuvent avoir un « s » ou un « t » qu'on n'entend pas. Alors, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, « j'ai réussi » « i »,« j'ai compris » « is »,« j'ai dit » « it ». Pour trouver la lettre finale muette, il faut chercher le féminin du participe passé pour l'entendre. Une chose réussie. Une chose comprise. Une chose dite.